et vivre pour l'éternité. Restez jeune et vigoureux. On doit naître et c'est réglé. Eh oui, je suis le roi de l'illusion. Tour de passe-passe, apparition pour tous les cas désespérés. C'est bien Merlin qui peut appeler. Les malédices et les donjons, maison hantée, malédiction, pour tous les cas qui vous effraient, c'est bien Merlin qu'il faut appeler. Mais qu'est-il arrivé à Père Noël? Merlin est arrivé sur catastrophe. Il est allé chercher les partitions là-bas dans l'atelier. Il lui tombe quelque chose sur la tête. Regarde. Mais c'est bien le Père Noël. Il est capoute. Capoute. Il n'y aura pas de cadeau pour personne. Mais non, pas de problème avec Merlin. Il va utiliser ses pouvoirs magiques pour éveiller le Père Noël. Voir ça. Vous êtes d'accord? Oui. Mais pour cela, attention. J'ai besoin de l'énergie des lutins. Eh oui. Mais un tour magique extraordinaire, il se prépare. Il me faut 4 chaises. Et le lutin bricolo, je crois qu'il va les avoir dans son atelier. Oui, Merlin, je vais tout de suite. Attention les enfants, c'est un tour magique très impressionnant et très dangereux. Mais avec celui-là, le Père Noël, il va se réveiller par enchantement, vous allez voir. Et moi, je suis pas magicien, mais je vais me réveiller, Père Noël. Les chaises à leur place, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le lutin? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jean-Michel. C'est un méchant lutin. Il fait des misères à Père Noël. Les enfants, il faut les surveiller. C'est pas bon ce que tu fais, attention. Ça suffit. Alors, on était où? Il faut préparer ce tour. Lutin bricolo, nettoie les ici, voilà. Encore, qu'est-ce qu'il prépare encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? Cette chaise-là. Voilà. On va faire.